Toujours derrière le maire sortant dans les sondages, Fabienne Keller reste concentrée et elle y croit. Grâce à une grosse campagne de terrain, 8 mois à la rencontre des habitants. J'ai la conviction profonde que pour penser une ville, il faut la vivre. Strasbourg n'est rien sans les Strasbourgeois. Et pour les comprendre, il faut s'immerger dans leur quotidien. Plus de 8000 porte-à-porte dans tous les quartiers, 160 réunions de travail et des ateliers pour tout dire. Plus verte, plus belle, plus solidaire et plus sûre, les propositions ne manquent pas pour Strasbourg. La première concerne effectivement la mobilité agressive en ville. Difficile de faire la synthèse des 10 000 contributions citoyennes quand on passe de Strasbourg, capitale du sport, au cambriolage. Plus difficile encore de faire les comptes. Nous, on est un atelier, on fait les propositions à Fabienne Keller. Et après, c'est Fabienne Keller qui va retenir les propositions en fonction du budget, en sachant que l'engagement qui a été pris, c'est de ne pas augmenter les impôts et c'est de continuer à budget constant. Dans certains cas, il y a des besoins financiers, mais ce n'est pas l'essentiel des propositions de ce matin, qui sont beaucoup plus de l'ordre de la valorisation des atouts de Strasbourg, de la créativité, tous les projets que les Strasbourgeois portent. Une philosophie, mais pas encore de programme à 6 semaines des municipales. Fabienne Keller devrait le dévoiler avant la fin du mois.